Yo le gang, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout spéciale, parce que comme vous le savez, dans la dernière vidéo les gars, je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire sur la dernière vidéo Rainbow Six. Vous avez été très nombreux à me poser des questions. Alors il y a très souvent la même question qui revient. En général c'est question sur le salaire. Qu'est-ce que tu caches? Vous aimez bien savoir genre. Et beaucoup de questions concernant l'armée. Cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions sans aucun filtre et en toute honnêteté, les gars. Vous savez, déjà sur Twitch, j'ai jamais eu de problème à parler d'argent, de l'armée ou des OP, etc., les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, je vous le demande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. On en fera plus régulièrement, parce que je crois que la dernière FAQ, elle date de... il y a... un an et demi ou deux ans les gars. Entre temps on a engrangé pas mal d'abonnés, donc il y a pas mal de petits nouveaux qui sont intéressés. Et j'ai eu dans les commentaires, il y en a beaucoup qui en fait me connaissent pas du tout les gars. Donc j'espère que vous en apprendrez plus sur moi, sur ma vie, sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait. Bon visionnage à tous, à la prochaine. C'était Susu le vrai. Peace. Alors, première question de ClapixZ. J'ai une question, tu penses arrêter YouTube un jour? Super vidéo, comme tout le temps, tu me fais rire de ouf, continue comme ça. Merci. Merci, merci beaucoup. YouTube, je vais arrêter un jour, oui. C'est la dernière vidéo YouTube. Ah, c'est marrant, ça rigole bien. Bah non. De base, je me suis lancé sur YouTube, c'était pour kiffer, pour... je faisais mes montages, moi. Je pensais pas gagner de l'argent avec YouTube, etc. Je garantis pas que je restais sur YouTube pendant 10, 15, 20 ans. Ça dépendra surtout du nombre d'abonnés, du nombre de vues, du nombre de gains d'argent, parce que je paye mon monteur. Bah, je suis à perte. En fait, je paye plus que ce que ça me rapporte. Donc, on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu, les gars. Je kiffe. Mais peut-être, peut-être un jour, ouais. Peut-être. Allez, deuxième question. Zawurdu, avec un petit smile à la fin. Pendant ton parcours dans l'armée, tu as déjà rencontré des mecs des forces spéciales, 13e RDP, commando marine, CPA-10, première PMA ou même d'autres forces spéciales. J'ai cité que celles que je connaissais. Et quel était ton grade? Sinon, j'adore tes vidéos. Continue le boss. Merci à toi aussi, mon frérot. J'ai fait des stages dans l'armée, stage commando montagne par exemple, où j'étais avec des mecs du premier, j'étais avec des mecs du 13 et CPA-10, non, jamais. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Et grade, j'ai commencé trou de balle, moquette, et j'ai terminé chef. Voilà, on me saluait, on me disait mes respects, chef. Une fierté quand même, les gars, ça. Dirix qui nous dit, quel est ton cheat pour avoir un aim aussi claque? Au sol, Albata. Dirix, en vrai, tu sais quoi? Si jamais t'es chaud, on peut essayer de se faire un 1v1. Je suis chaud. Dada Zaza 72. Prénom, nom, âge, taille, salaire et temps de montage. C'est toi qui fais le montage. Ça, c'est si toi t'es pas un mec du fisc, mon gars. Alors, prénom, Anthony. Nom, Soares. Ah, c'est portugais, Soares, j'ai toute ma famille paternelle qui est portugaise. Âge, je fais 33 ans le 18 mai. Taille, je fais 1m80. Salaire, ça dépend. YouTube, en termes de salaire... C'est quoi, je regarde en direct, frérot. Alors, le 22 février, 577,56€. Le 24 janvier, 339,98€. Décembre, 329,21€. Ah ouais, c'est... Comme je faisais à l'époque où on faisait 2 à 3 vidéos semaine, je crois que mon plus gros salaire YouTube, ça a été 1700€, à peu près, dans ces eaux-là. Après, je le dis et je le redis, les gars, je me suis pas mis sur YouTube en me disant je vais gagner 4000€ par mois sur YouTube, ça m'intéressait pas. Juste envie d'élargir ma communauté avec du montage, etc., pour essayer d'agrandir ma commu sur YouTube, tout simplement. Et non, ce n'est pas moi qui fais le montage, c'est Paul. C'est moi. Question suivante. Virtuose, est-ce que tu penses refaire des vidéos? Essayer de ne pas rire, sinon continue YouTube, on te kiffe. Alors oui, avec Biloot, on a plein de vidéos prévues. Vidéo essayer de ne pas rire, je suis grave content parce qu'elle vous a grave plu et le retour était cool, à part 2-3 qui ont dit oui mais Susu, fais du contenu pour des gosses de 8 ans, etc. Bref, mais on essaiera vraiment de faire une vidéo essayer de ne pas rire. Je pense que la dernière, faudrait vraiment qu'on essaye de ne pas rire, tu vois. Avec au pire des cas, avec Biloot, on se met un défi et... celui qui rigole, il a un gage. Ok, bientôt une nouvelle vidéo. Essayez de ne pas rire avec des putains de gages, les refs. Ça va être incroyable. Glulum lum. Glulum glu. Glulum lum. Glulum lum. Glulum lum. Waouh.
du premier coup. Ouais, ouais, je suis sous alcool ou quoi, mon ref? C'est cool qu'il n'y ait pas toujours du R6, ça te permet de te diversifier. Et de même pour ta commu. De plus, les drogués de R6, bah, ils profitent encore plus quand tu la sors. En gros, tu... Mais c'est pas une question. Ça va pas, là. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Meilleur commu, j'apprécie énormément qu'il y ait des gens qui me suivent de base pour R6 qui apprécient le contenu que je fais à côté. C'est que ça fait moins de vues. Et c'est pas grave, les gars. Je suis là pour partager ce que j'aime avant tout. Je le rappelle, à terme, mon objectif, c'est de faire du multigaming et de pouvoir régaler plein d'abonnés et de continuer à kiffer ce que je fais et de vous faire kiffer. Mais merci beaucoup pour ton message, glum. Ça fait extrêmement plaisir. Shadowkill. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu as toujours pas les 100 000 abonnés. Ça me tue de rire à chaque vidéo, Susu, merci. Pas une question, mais c'est une phrase qui me fait extrêmement plaisir et extrêmement mal à la fois. Là, sur la dernière vidéo R6, je ne comprends pas. Moins 38 abonnés. Je ne comprends pas. Ça fait 3 mois, les gars, qu'on ne gagne pas un abonné YouTube. Donc, mais je continue à le dire et à le redire. Abonnez-vous à la chaîne. Road to 100 000 abonnés depuis 2002. Et voilà. Mais merci beaucoup, Shadowkill, en tout cas, pour ton commentaire. Ça fait extrêmement plaisir, mon petit pote. Quentin, salut, Susu, j'ai une question. Est-ce que YouTube et Twitch te permettent d'avoir des revenus qui te permettent, ça fait beaucoup de permettre, qui te permettent de vivre aisément, ce qui te permet de pouvoir faire de petites folies de temps en temps? Sur ce, bonne continuation, change pas, t'es le meilleur. YouTube, non. Twitch, oui. Ma source de revenus principale, c'est Twitch, mes partenariats et mes investissements en crypto-monnaie. Donc oui, je vis très aisément, j'ai aucun problème pour payer mes factures. Et je le dis et je le re-redis et re-re-re-redis, tout ça, c'est en grande partie grâce à vous et grâce à votre générosité, je le redis. Mais oui, je vis très aisément, frérot. NDC Gorgoroth, on dirait un nom de boss dans Elden Ring, frérot. Get over here. Ta vidéo est incroyable, le montage est fou. Force à toi, question FAQ, quel est ton setup, stream, micro, caméra, stream deck, etc. Alors je t'invite à aller regarder une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Je vous montre mon nouveau setup, il y a tout ». Il y a ma caméra, il y a les refs de tout ce que j'ai, je montre, je filme, etc. Donc je t'invite à aller voir directement cette petite vidéo. Il y a juste la caméra que j'ai changée. Avant j'avais une Logitech Rio. Aujourd'hui j'ai un Sony A6400. J'ai un appareil photo directement, je m'en sers pour filmer là maintenant. Ça fait un petit effet de flou derrière et tout, j'aime beaucoup. Et je m'en sers aussi pour filmer tout ce qui est vlog ou faire des photos, etc. Skies qui demande, penses-tu créer une chaîne secondaire pour d'autres types de vidéos, style vlog, etc. Alors, il y a une chaîne secondaire qui va sortir, oui, elle arrive, oui, avant la fin du mois, oui, mais ça sera pas une chaîne pour les vlogs, etc. Je ferai toujours une petite partie de gaming sur ma chaîne principale, mais je garderai cette chaîne principale-là, même pour faire du vlog ou autre. C'est une chaîne de partage, en fait. Donc non, pas de chaîne secondaire prévue pour les vlogs, etc. Mais par contre, il y a une chaîne secondaire qui arrive avec toutes mes rediffs en condensé de Twitch. Si tu as eu l'occasion d'habiter où tu veux, hors France, où ça serait? J'habite pas en France, moi, les gars. J'habite à Dubaï pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'impôts. Les crypto-monnaies sont très peu taxées. Et du coup, j'habite clairement en France et je paye tellement d'impôts. Des milliers d'euros j'ai foutu là-dedans. Des milliers et des milliers d'euros. Et c'est la vie. En vrai, j'aime mon pays, les gars, moi. Oui, on se plaint de payer beaucoup de choses, mais faut pas oublier qu'il y a des pays, les gars, où si votre daron il a un cancer ou si votre daronne elle chope le Covid et qu'elle est en réa. Il y a des pays où ça vous coûte des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. En France, c'est pas le cas. L'école gratuite, tout ça. Donc, non, en vrai, si j'avais l'occasion d'habiter où je veux en dehors de la France, peut-être les États-Unis et encore. Vraiment, j'ai absolument pas envie de quitter la France et je pense que je resterai en France toute ma vie, moi, les gars. Le motard du 974. Eh, 974, c'est quoi? C'est la Réunion, non? Ah oui! Oui! Oh, ça, c'est beau! Allez, c'est incroyable. Super vidéo, j'adore le montage de qualité comme d'habitude. Question pour la FAQ. Tu vas continuer à faire des vidéos de jeux d'horreur? Car je trouve ça super cool avec le montage de fou. Ouais, c'est prévu. Après, faut qu'il y ait des jeux d'horreur qui sortent. Si jamais vous avez des idées ou quoi, on est preneur avec Biloutas, les gars, d'aller faire des conneries sur des jeux d'horreur. Ça peut être sympa. Ça peut être cool. Même si moi, les jeux d'horreur, je vous le dis, j'aime bien les faire. J'aime bien voir les vidéos dessus. Mais vas-y, je vous jure, c'est un putain de calvaire d'y jouer. Vous m'avez fait jouer à Visage, les gars. Je le jure, j'en ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine facile. Et je le jure, petite anecdote, je ne pouvais pas dormir tant que les deux portes du placard de ma chambre n'étaient pas fermées. J'ai 33 ans. J'ai fait 12 ans dans l'armée, dans les parachutistes. Je me chie dessus de jouer à un petit jeu d'horreur virtuel. M'empêche de dormir la nuit.
Bizarre. La fameuse... Okay. Et toute dernière question de Gabinco, raconte ta première fois... Ouais, ma toute première fois, les gars. Moi, ma toute première fois, c'était à 17 ans et demi. Ça faisait 3 mois que j'étais dans l'armée et ça s'est jamais su. Je faisais toujours le mec en mode dans l'armée, ouais, t'inquiète, moi et tout, les meufs, je connais bien et tout, alors que pas du tout. Et ma toute première fois, ça a été pour les fiançailles d'un collègue de boulot à moi. J'étais à 14,5 g, j'étais déchenillé. Je me suis retrouvé dans un lit avec une fille. Comme ça, ça me fait bander. Fort douce et fort agréable. Et je vous le dis, ça me fait bander. Ça a glissé, hein. Ça a glissé. Voilà, c'était ma première fois. Ne faites pas ça. Si vous avez la chance de faire une belle première fois, mettez des bougies, des pétales de rose. J'aurais bien aimé vous dire, ouais, non, ma première fois, c'était avec ma femme. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble, on a eu une fille, etc. Mais non, non, ma première fois, j'étais en soirée, bourré. Il devait être 4h30 du mat. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. C'était la FAQ, les gars. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Il n'y a pas eu de trucs. Je vous ai montré les chiffres, etc. Les gars, je m'en branle. Moi, je vous dis, les gars, je m'en branle. Parler d'argent avec vous ou parler de quoi que ce soit, ça ne me dérange absolument pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les gars, on refera une FAQ d'ici 6 mois ou 1 an ou 4 ans ou peut-être jamais parce que j'aurai arrêté YouTube, les gars. Mais pensez, s'il vous plaît, je vous le demande avec la main sur le pec, le pectoral droit. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à les partager. Venez amener vos potes, on est bien sur cette chaîne, les gars. Donc, je vous fais tous de très, très gros bisous. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Pensez à aller checker dans la description, les gars. Il y en a beaucoup qui demandent les sons. Des fois, il y a les musiques d'outro, etc. Paul, il se fait chier à faire une belle description, les gars. Il y a aussi plein de petits codes de réduction, notamment pour Level Up, Eneba, Rhino Shield, etc. dans la description. Si jamais il y en a qui sont intéressés, pensez-y. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Susu le vrai. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Yo, we can pop the champagne and we can have a ball. We can toast to the good like we can have it all. We can really splurge, girl, and tear up them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they're bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch.